Moi, reconnaître lui depuis quelques années. Nous rencontrons dans le domaine de la musique. Il s'est marié sur un groupe qui est le Contact Divin et nous avons eu la chance de travailler ensemble. Ça fait quelques années de cela. Et il y a un monde qui est toujours là pour supporter le ministère, nous encourager nous dans le travail que nous avons fait dans le secteur évangélique. Et il prend honneur pour participer aussi dans le challenge, dans la première édition challenge ça que nous avons organisé. Il s'est marié sur Wissner. Et c'est avec lui, Jodia, Penabdi, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Maïs Aubertin. Donc, bonsoir à tout le monde qui a regardé et Chanel là. Donc, c'est un plaisir de vous rencontrer. Et que vous dites quelques années de cela. Donc, nous sommes contents, nous sommes très bien. Donc, pour te participer dans le challenge, non? Bon, nous pas dit malheureusement, parce que même si vous n'êtes pas premier, ou pas deuxième, ou pas troisième, mais vous êtes un gagnant. Donc, le fait que vous n'êtes pas remporté dans le troisième prix, nous recevons. Comment vous comprendre ça? Parce que tout le monde qui participe dans un concours ou dans un challenge, il a toujours voulu remporter le premier prix. Est-ce que ça va te déranger le fait que ouais, c'est trois filles qui portent le premier prix, ou même en tant qu'un garçon parmi toutes les filles, et que tu as un autre garçon, ou est-ce que vous n'êtes pas parmi les trois gagnants? Ok, donc, je vous remercie pour le challenge que vous avez sous pied. Donc, qui peut-être, il y a des gens qui ne peuvent pas, mais je vais aller au fond de ça. Pour nous tirer un paquet de leçons là-dedans. Okay. Et participer dans le challenge, c'était une fierté, un plaisir pour moi. Et donc, ce n'est pas remporter le premier prix. Bien que c'est toujours une fierté pour être capable soit parmi les gagnants, mais je dis, nous tous ces gagnants. Donc, c'est ça qui est important. Donc, okay. Participer dans le challenge, c'était vraiment intéressant pour moi. Et moi, okay. Très content pour ça. Ok. Donc, qui j'en comprendre ça, parce que nous avons eu une chance de présenter les gens qui ont remporté le premier prix, qui c'était Sœur Marthe. Donc, dans la causerie que nous avons eu ensemble avec lui, il parlait nous en pile de roue en tant que monde qui était accompagné. Donc, est-ce que, selon vous-même, vous trouvez que c'est vous-même encore qui gagnez, parce que vous êtes un homme qui a coaché Sœur Marthe, ou bien est-ce que vous estimez que, en tant que coach, c'est où que tu as supposé gagner un prix ou bien estimer que tout gagné parce que les gens qui ont coaché ont gagné? Ok, et bien que dans toute activité, depuis que tu as un coach, tu as un élève, son qui paraît plus fort, c'est le coach qui a supposé gagner, mais parfois, le coach a doit connaître les principes, il ne doit pas appliquer, mais il fait un monde appliquer. Mais l'important, c'est que nous gagnons quand même. Ok. Donc, c'est un plaisir. Ok, très bien. Donc, nous présenter en tant que maestro, est-ce qu'on est capable de parler non, de qui travaille, qui a fait dans le secteur en tant que maestro? Ok, donc, depuis qu'on fait musique et en Haïti, on a dit comme ça, on connaît un instrument, on chante, donc il y a tout beau titre, maestro. Mais au fond, qui peut-être pas ça vraiment, mais nous acceptons. Moi-même, dans le secteur évangélique, là, moi, je joue piano, je chante et tout. Donc, moi, je suis sur le groupe Contact Divin. Donc, nous composons, nous faisons arrangements instrumentaux, écrit texte, tout ça. Donc, c'est travail. Ok, très bien. Donc, si bien comprendre, la façon que vous êtes intervenu, donc, tu es capable de gagner une façon pour décrire un monde qui est maestro. Est-ce qu'on peut profiter de l'occasion ça pour porter une lumière pour vos amis qui sont capables de qualifier un monde de maestro? Est-ce que le fait que vous êtes capable d'accompagner un meneur de culte dimanche matin pour jouer un instrument, soit en guitare, soit en piano, est-ce que ça veut dire que vous êtes automatiquement son maestro ou bien est-ce que vous avez des qualificatifs que vous êtes supposé gagner pour être capable de maestro? Ok, exactement, je dis là, des qualificatifs que on doit gagner pour le maestro. Okay. Mener un culte, adoration, bien qu'il y ait un piano pour jouer, ça va veut dire que c'est un maestro. D'ailleurs, moi, maestro veut dire maître. Mm-hmm. Ça veut dire faut qu'on suppose maîtriser un package. Okay. Donc, en gros, c'est ça. Mener un simple instrument, jouer un simple instrument, mener un culte ou bien camper devant un groupe. Donc, pas vous dire que vous êtes un maestro pour ça. Ok.
Donc, ou gen doa gen, an di se yon package, ou gen yon parti la dan, ou fel. Ok. Ok, tre bien. Donc, ou te participe nan, nan challenge nan, kote ke ou tap chante muzik, ke nou tradu nan chante espérance nan an kreol. Donc, objectif muzik yo, se pa tradu pou mette son chanel. Men, objectif la se permette ke l'Eglise de Jésus-Christ, a quelque soit côté que y a à travers le monde, capable, depuis que vous parlez créole, bien entendu, capable d'arriver à jouer une musique sérieuse pour chanter. Est-ce que dans l'église locale, côté que vous persévérez, est-ce que la musique sérieuse déjà, est-ce que le public là, est-ce que l'assemblée a déjà commencé à faire connaissance avec la musique sérieuse? Si vous avez fait connaissance, comment ça a évolué? Et si vous pouvez faire connaissance tout, qui support que ou même en tant que membre l'église locale ça capable porter pour permettre que musique ça yo intégrer l'église locale côté que y a. OK, donc et traduit chant français la chant d'espérance là en créole, c'est un grand travail et d'abord ma félicite au tout et me dit bon Dieu merci pour grâce dans la vous qui bonne opportunité pour capable faire ça. Et donc pour avancer intégrer traduction chant d'espérance en dans assemblée côté persévérer, donc c'est un travail qui qu'on fait en gros. Okay. Mais pour partager nous faire connaissance avec eux, des fois nous télécharger vidéo laguer sur groupe l'église là même partager ensemble avec eux. Mais plus gros travail que me compter faire qui gagne comme projet, c'est essayer entrer plus dans cœur d'adoration l'église là et puis essayer apprendre tout. Apprendre okay. Avec cantique yo et puis pour travailler capable avancer plus parce que gen moun qui a chanté chant en français vraiment yo juste dit mais yo pas rentré dans fond pour comprendre moi parce que avec langue nous que nous à l'aise oui. Et li plus facile pour nous capable plus édifier et plus bénir tout OK dans travail là très bien donc lors de participer à un challenge là est-ce que l'église était au courant de ça qui Jean yo te porté pour te support par yo à ou même dans challenge hein? Bon, là m'ta participer dans challenge, m'pa faire une annonce vraiment que m'pa participer dans challenge pour supporter. M'ti juste faire les gens condition demandé à faire vidéo et puis nous partager li dans groupe là et puis gen monde qui wel et me remercier chaque monde tout qui t'a supporté nous. OK. Et d'une façon ou d'une autre. OK. Donc non pas trop longue, mais parlez-nous en quelques mots de groupe Contact Divin que Océan na Maestro. OK, groupe Contact Divin et on va regarder moyo Contact Divin, on veut dire on a un contact avec en haut. Exactement. Et c'est un groupe qui a fait un peu l'effort. Donc c'est un groupe qui t'a mis sous pied par moyen de Maestro Léger Baptiste qui du côté de Wanamet qui me salue le tout côté lié. Donc en 2016 groupe là t'est sous pied. Donc nous avons fait le premier lancé, c'était avec quelques musiciens et par exemple moi-même, Maestro Les et puis Maestro Bob tout okay. qui est pas dans le pays actuellement, même Salil tout qui a regardé nous. Okay. Et donc nous avons fait l'initiative ça pour nous être capable un objectif pour nous adorer bon Dieu pour nous chanter. Et Dieu fait grâce, nous avons avancé et nous avons un paquet de projets qui en cours mais bien malheureux c'est situation pays a qui cause ou beaucoup qu'attendait nous depuis okay. Après des mots que nous avons fait sortir en 2019 okay. Et donc nous avons tout lancé projet album nous qui a bien 9 tracks sur lui okay. Donc et qui j'aime dire déjà malheureusement situation pays côté nous avons travaillé zone yo impraticable qui cause projet à beaucoup qu'a fini okay. Mais bientôt nous a bien pour nous sortir album là nous quoi déjà faire nos grâce tout et pour nous capable édifier de activité non de musique non et qu'il y a plus connaissance tout des contacts divins. Mais nous avons un channel YouTube et qui c'est Contact Divin en français, Contact Divin et puis sur Facebook tout. Très tout le monde qui t'a venu supporter nous. Donc il est capable de faire ça et puis il y a toute activité que nous fait musique que nous fait déjà et tout ce channel. OK, très bien. Donc nous encourager les amis capable supporter tout un jeune groupe ça qui a évolué parce que yo c'est avenir on est capable dire musique évangélique là en Haïti donc supporter yo c'est supporter travail bon Dieu même genre supporter adorateur Bertin d'Orville-Mort supporter contact divin parce que c'est même travail là que nous a fait pour avancement royaume bon Dieu ya. Donc nous pour finir maintenant qui cadre nous capable plus placer
frère Wisner, est-ce que nous avons placé, est-ce que vous avez une carrière solo ou bien en plus évoluer avec groupe Contact Divin ou bien en plus évoluer en tant qu'adorateur? Dans quelle catégorie nous sommes capables de plus cerner et Maestro Wisner? Pour le moment, plus pour mettre dans la catégorie que travail en groupe avec Contact Divin. Okay. Donc beaucoup fait, beaucoup sorti en solo. Okay. Mais plus nous croyons en collaboration. Et on t'a oublié de ça tout, qui on t'a parlé des Contact Divin musique nous. Donc qui c'est producteur nous qui est avec nous là, à droite Bertrand Dorvilma, c'est lui-même qui t'a fait travail là pour nous. Donc très bien, c'était une très belle expérience que nous t'ai fait avec groupe Contact Divin. Donc il était sorti juste Delma 19 pour te monter à Croix des Bouquets pour nous être capable de produire musique ça. C'est pas facile déplacement yo. Donc situation un peu de cojan était là bien sûr, mais tu commencé à gagner de turbulences, mais nous peut arriver dans niveau que nous arrivé là aujourd'hui. Moi t'es vraiment content pour moi t'es collaborer avec yo et c'est toujours un plaisir à chaque fois occasion présentée pour nous capable collaborer avec Contact Divin. Donc est-ce qu'on gagne un mot de conclusion, un conseil quelconque que tu as voulu avec Zamio avant même que nous mettez une fin avec Ticozerie ça? OK, et conseil que m'ta capable placer, nous c'est jeunes et peu importe tranche d'âge, nous vivons dans un pays qui est vraiment difficile. Ouais. Mais on va pour pas jamais oublier que même si situation est difficile, bah il va prêter comme ça. Exact. Toujours faire moyen pour apprendre tant qu'il y a possibilité à, et que meilleur choix que vous faire, au début de ça d'abord, c'est accepter Jésus. Amen. Dans la vue. Amen. C'est lui même qui a bah une plus bon orientation et surtout dans un pays qui est difficile. Donc on a dit sous bague Jésus ou pas choisir étudier ou choisir étudier en situation là. Bien regrette ça pour ça paye mal, mais tant que on souffre tout autant gain la vie toujours quoi que gain amélioration. Exactement. Donc c'est un plaisir pour nous te recevoir Maestro Wisner. Moi profiter saluer tout le monde qui t'a participé dans challenge là. Donc espérer un jour même jeudi à nous gain chance recevoir Maestro Wisner, espérer un jour n'a pas gain chance recevoir l'autre monde qui t'a participé dans challenge là. Une fois encore merci à Mozapod, merci à vous-même qui t'a regardé nous. C'était un plaisir pour nous être capables ensemble. Merci beaucoup et que bon Dieu bénisse. Pas aller sans pas abonner avec Chanel ça, c'est façon qui est beaucoup plus simple que ou capable supporter nous. Merci beaucoup.